Le laboratoire Mastic Colle et Revêtement réalise des essais d'identification et mécanique sur différents matériaux de la construction. Parmi ces essais, la résistance au cisaillement est réalisée sur les membranes d'étanchéité pour toiture terrasse ou menuiserie. Cet essai consiste à solliciter en cisaillement un plan de collage entre deux matériaux à l'aide d'une machine de traction équipée d'un capteur de 1 kN, puis à mesurer la force maximale à rupture et observer le mode de rupture obtenu. L'essai est initialement prévu pour un recouvrement entre deux membranes, mais il peut être décliné à des collages sur d'autres supports, en particulier sur aluminium et sur mortier, comme rencontré dans l'étanchéité des menuiseries. Un essai est réalisé à l'état initial, après séchage ou polymérisation du produit de collage. Pour certaines demandes spécifiques, nous pouvons reproduire l'essai après des périodes de vieillissement artificiel. Les nombreuses enceintes disponibles au laboratoire permettent d'exposer les éprouvettes à la chaleur, au gel ou encore aux UV pour tester la durabilité du système. Certains essais sont également effectués après immersion dans l'eau. Ce test fait partie d'un programme caractérisant les membranes tout comme ceux de pénétration à l'eau ou encore de déchirure au clou également proposés par le laboratoire.